Nous sommes à Bâle, devant la tour de la Banque des règlements internationaux, qui est la banque des banques, la banque centrale des banques centrales mondiales, qui a été fondée ici en Suisse en 1930, avec une alliance des grandes banques centrales des grandes puissances de l'époque, notamment à l'initiative des milieux financiers privés, commerciaux, américains, anglais, français, allemands, japonais, notamment. Et maintenant, elle regroupe quasiment toutes les banques centrales du monde. Et c'est à cet endroit-là que se règlent les grands problèmes financiers qui nous sont provoqués à dessein pour persécuter la majorité de la population mondiale. C'est ici que se retrouve une petite coterie d'initiés, une petite coterie de manipulateurs qui truquent la finance mondiale, alors que tout le monde pourrait très bien vivre sur cette terre, largement grâce à la technologie, aux capitaux qui ne manquent pas, la surproduction qui ne manque pas. Eux rendent rares les choses exprès pour nous dominer, pour nous faire peur. Et très probablement, ce sont eux qui se réunissent ici tous les deux mois dans cette tour, qui consomment des grands vins fins de prix de fou et qui planifient la pandémie mondiale du coronavirus qui est en train de persécuter la grande majorité de cette planète. C'est inadmissible de laisser ces gens en liberté. Ils sont au-dessus des lois, ils n'ont pas de limites, ils se réunissent et ils planifient les perversions financières et autres dans le monde entier.